Salut tout le monde, Mitrap de Nintendo Alert. On se retrouve pour un let's play de Xenoblade Chronicles 3. On s'était quitté lors de la dernière vidéo où j'avais lamentablement perdu face à un unique qui avait 9 niveaux au-dessus du mien. J'irai le faire un petit peu plus tard parce qu'il me reste des quêtes et là, je me retrouve direct face à un 37 que je vais faire. Parce que ça fera un point de PP pour que ça reste un unique. Et j'enchaînerai avec une quête. Qui est vachement à votre portée, entraînez-vous les enchaînements. Ça me réactive pas ce que je voulais. C'est le jeu. Pas jusqu'à 150. Voilà. Il est mort, c'est pas la peine. Je vais l'enchaîner. Mais bon, c'est bien pour s'entraîner. Puis bon, voilà, les uniques, ils vous donnent des doubles. Et quand on voit qu'autant de l'or, bof, hein. Mais les doubles, on en
besoin pour tout. Hein. Pour faire des gemmes, pour monter des classes, pour énormément de choses. Je répète, j'en ai eu 60 argent avec le DLC, je sais plus combien en or. Pas ouf, hein, mais j'en ai eu en or avec le DLC. C'est évidemment tous dépensés déjà. Hein. Il va quand même pas me faire escalader. Si. Je crois bien que si. On peut pas aller plus vite hein, quand on escalade. Hein. Un bouton à descendre, ça coûtait rien. Avoir hier lorsque j'ouvrais la carte avoir descendu cette échelle mais je suis pas descendu là, j'en ai pas besoin de l'éther, je suis pas descendu d'où le conteneur non ouvert. Sans ce combat ça encore. Good going, Uni! C'est assez simple. Voilà, il y a plusieurs vagues. Ça va monter à des levels de ouf, hein, c'est tout ça. Enfin, le niveau que j'ai, hein, perso, ça va pas prendre plus en éternité. Oh,
Voilà. Le gros des troupes arrive. C'est ça que je... Enfin... C'est difficile de faire les quêtes, comment dire, par rapport à son niveau, en fait, parce que là, on va aller en débloquer dans certaines colonies. Même si voilà, on essaye de faire au maximum, on va en débloquer dans certaines colonies où on sera des niveaux au-dessus. Hein. J'essaye de rester à un niveau raisonnable, mais je rush pas quand vous pouvez le voir. Hein, moi, j'aime bien prendre le temps de faire les quêtes, donc forcément, si tu fais les quêtes, si tu combats des uniques, tu vas gagner des niveaux. Hein. Moi sinon je m'amuserais pas si je faisais en rush ligne droite. Donc voilà, quête terminée. Alors c'était la quête l'orgueil d'un guerrier. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye à tous.